Eh bien salut les amis, c'est Kervendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Super Mario Odyssey, le 17ème je crois, et c'est peut-être l'avant-dernier épisode. Normalement c'est le dernier épisode avant la fin du jeu, mais il y a un truc après la fin et je voudrais quand même faire une vidéo dessus. Donc normalement, j'ai vu vos commentaires, il paraît qu'en fait c'est là le boss le plus dur de tout le jeu, l'épreuve la plus difficile, le boss final, et on m'a dit que c'était pire que le boss des ruines. J'ai mis 2h30 à battre le boss des ruines. J'espère que je mettrai moins de temps pour battre ce boss. Je sais pas trop à quoi m'attendre, enfin je sais à quoi il ressemble de base, mais je sais pas comment il va être en vrai. Alors déjà les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. L'épisode va être peut-être long, peut-être court, parce qu'en fait soit ça va être le boss direct, soit il va y avoir un niveau avant, parce que normalement vous devriez le savoir, il y a un niveau avant le boss, c'est la lune. Sauf que chez quasiment tout le monde, la lune crache avec le mod. Donc on peut pas la faire avec le mod. Sauf que, bah moi je regardais les vidéos de Mathias qui a fait Super Mario Odyssey, le sol c'est de la lave, et il l'a fait la lune. Genre, il y avait la lave et ça crachait pas. Donc bah je sais pas trop. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller dans le niveau, de voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, bah je désactiverai le mode et j'irai directement au boss. Voilà, voilà, les amis, n'oubliez pas de liker, et on reprend. Il y a eu du son, puis ça s'est coupé, et ça a même complètement crash. Bon, je désactivais complètement le mode, je sais pas ce qui se passait. On va aller, donc, ok, sur le pays de la lune, et on verra là-bas, genre, d'abord on va déclencher les cinématiques, tout ça, et quand tout sera prêt, on va voir si on peut mettre la lave. Je vous dis, n'ayez pas des high expectations, parce qu'il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. J'aimerais bien, mais vraiment ça marche chez personne, sauf chez Mathias, je sais pas pourquoi. Moi je suis sur mon PC, donc c'était peut-être pour ça que ça marchait pas, mais justement il y a un pote qui a amené sa Switch pour qu'on teste sur sa Switch, et ça fonctionne pas non plus. Genre, il arrive à charger le niveau, et après ça crash. Donc je sais pas, à voir. Allez, let's go vers la lune! On l'aperçoit le monde en bas. J'avais pas remarqué. J'ai pas remarqué la première fois, mais en fait on le voit. Vas-y, pays de la moon. Ouais, on s'en fout, on connaît. Oh, ça brille. Ah ouais, genre il passe la stratosphère quoi. Genre aucun problème. Mais il est fait en... Le ballon de l'Odyssée est fait en quel matériau? Bon, après c'est peut-être... Enfin, c'est probablement pas la même planète, la même stratosphère et le même univers que chez nous. Parce que sinon Mario, ben genre, il pourrait pas survivre dedans en fait. Ah mais on peut passer ça. Ah mince, je crois qu'on était obligé. Bon, très bien. Pays de la lune, sans lave, ok, normal. Il y a une cinématique normalement, non? Je crois, non? Ok, mais ça on passe. Ouais, vas-y, il y a ça. Je suis beau comme un prince, mais je sais, on me le dit souvent. Dites-le moi dans les commentaires que je suis beau comme un prince. Et... bon... Je pense que là, il n'y a pas de cinématique de plus. On sauvegarde. Et je vais mettre le mode. Les amis, l'instant de vérité. Lunelle de fiel au mariage de Bowser. De fiel. Lune de fiel. Lune de fiel, pourquoi? C'est genre comme miel, mais avec fiac. Ça a l'air de marcher, hein. Le son déconne un peu. C'est très mauvais signe. Ça fonctionne? Ça fonctionne? Oula, ouais, le son déconne un peu, hein. Ah! Bah ça n'a pas fonctionné longtemps. J'ai envie d'insister, genre j'ai vraiment baissé la qualité au max. Qu'est-ce qu'il a l'Odyssée en bas? Ça va? Il avait l'air un peu malade. Ah, ça a l'air complètement mort là. Ça marche. Mais alors ça lag. Un petit peu. Ça va. Ça lag complètement. Mais au moins ça ne crache pas. Il y a peut-être un entre-deux sur les paramètres à faire. Waouh. Ah ouais, ah, je peux plus revenir en arrière quoi. Ok. Ah mais mince. Je peux y aller là-bas? Est-ce que ça... Ah ah ah. Et mince. Non mais ça lag trop, c'est pas possible. Bon, j'ai changé encore des paramètres. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Ouais, non, ça paraît chaud. Ça a l'air d'aller, là, il n'y a pas de crash. Pour ceux qui se demandent, j'ai augmenté sur Yuzu la mémoire de 6 Go. C'est dans les paramètres du jeu. Non, c'est... Mais en fait, on dirait que c'est par là que ça bug. Peut-être que de l'autre côté, ça bug pas. Moi, j'insiste, hein, ça m'a l'air possible, donc j'insiste. D'ailleurs, là-bas, il y a un truc... Je pense que le problème... Eh, pourquoi ça... Oh mince.
Ça a pas fait ce que je voulais, mais des fois vraiment le saut où genre Mario genre il tournoie en récupérant la casquette, il fonctionne pas. Et je sais pas pourquoi, et c'est grave relou hein. Parce que genre bah voilà, super. Je baisse petit à petit des paramètres, voyant si ça marche ou pas. Ouh. Voilà, ça, c'est ça que je voulais faire. Oh ah, j'ai pas de pause en fait. Je pense que je suis sur la bonne voie, c'est juste que le fait de pas avoir une pause c'était un petit peu compliqué. C'est pas possible, je fais que de cracher quels que soient les paramètres que je prends. En fait, je pense que c'est possible, mais il faut avoir des paramètres bien précis et je les connais pas. Donc je désactive et je vais normalement au boss. Et vais-je faire le moon skip pour la première fois de ma vie? Je sais pas trop comment on fait, hein. En vrai, ça me paraît très chaud. Si j'y arrive pas, j'irai voir des vidéos, hein. Parce que... Hé hey bon, ça commence déjà très mal, je pense. En fait, on redescend de ouf. Ok. What? Pourquoi j'ai pas rebondi dessus? Des fois, on ne rebondit pas sur Capi. Et je ne me l'explique pas, quoi. Regardez. Quoi? This is not okay. Comment ça? Bah là, je suis pas allé dessus, mais je sais pas. Attendez, je réessaye une fois, mais... Mais quoi? Mais c'est anormal. Alors, attendez, normalement, faut faire comme ça. Ok. Pourquoi j'ai pas rebondi? J'étais pas assez bien placé, peut-être? Je sais pas, attendez, recommençons. C'est catastrophique, mes tentatives, hein. Je comprends pas. Il veut jamais wall jump, Mario, je comprends pas. Genre, anti-wall jump, le Mario. Et mais c'est chaud, parce qu'en fait, genre, moi, en plus, je vais être trop fier quand je vais y arriver. Mais en vrai, je fais littéralement un truc que tous vos youtubeurs préférés doivent déjà réussir à faire de base. Et moi, je suis là en mode, allô, je sais pas faire. La difficulté, c'est pas là, c'est vraiment là de trouver quel est l'endroit où on peut faire le saut mural. C'est trop chaud. J'ai littéralement une vidéo à côté de moi et j'y arrive pas, ça saoule. Il y a une marque et je l'ai remarquée. Ouais, une marque remarquée, très bien. Wow. Oh oui. J'en reviens pas, oh mon dieu, j'ai failli rentrer dans la cave là. Ouais, mais c'est une sortie. Ok, j'ai remis le mode. Attendez, mince, c'est où la sauvegarde? Si c'est au tout début, c'est un peu mauvais ça. Ah ouais, d'accord, attendez. Est-ce que ça a fonctionné? J'entends le son qui déconne un peu. Ah ouais, mais attendez, mais en fait, c'est pas une question de est-ce que ça va fonctionner ou pas. C'est une question de je suis mort ici. À moins que sous le drapeau, il y ait peut-être un truc. Oh non, c'est... Ok, ça a crash. Mais attendez, mais il n'y a pas de sauvegarde ici. Donc quoi qu'il arrive, si je quitte et je reviens, je serai toujours au début du niveau. Je vais genre me retaper le truc et... Mais c'est pas... Ah là, il y a une sauvegarde. Attendez, je vais aller au plus loin que je peux. Et après, on va voir, genre... avec la lave. C'est bizarre, quand même. Oh non. C'est le même titre. Oh mince. Mais en fait, je vais juste pas pouvoir le faire, en fait. Si ça crache tout le temps, je vais pas pouvoir m'en sortir. Là, je vais perdre des vies, déjà. Ok, très bien. Attendez, mais si je dois faire le Bowser... Oh! Et mais je vais pas pouvoir le faire, en fait. Wesh, les amis. Je vous dis wesh comme si c'était une nouvelle vidéo, un nouveau jour pour vous, alors que non. Et ben en fait, si. En plus, j'ai changé de vêtements, comme par magie. Ouais, bah non, c'est un nouveau jour pour moi, mais pas pour vous. C'est la suite de la vidéo. Mais il y a des news qui donnent pas le smile, et il va falloir que je vous en parle. Il y a donc 2 jours, j'ai tourné ma vidéo Super Mario Odyssey, cet épisode. Et puis genre tranquille, j'ai battu Bowser, pas tranquille. Ça m'a mis 1h44, hein, c'était quand même plutôt long, mais j'y suis arrivé. Et en fait, j'ai acheté un nouveau disque dur. J'ai déplacé mes fichiers dessus et je les ai perdus. Enfin non, mais ils sont corrompus. Sauf les fichiers de jeu, le gameplay. Ça je l'ai encore parce qu'en fait genre il a pas disparu de mon PC de base. Parce que c'est d'abord des FLV et après des MP4, bon bref c'est complexe. Mais donc j'ai toujours toutes les vidéos de mon gameplay. Mais je n'ai plus ni les vidéos de moi, de ma tête, ni le son de ma voix. Ce qui est quand même un peu bête et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé.
Je déteste le nouveau disque dur, hein. Je l'ai jeté à la poubelle, ça me saoule. Mais c'est des choses qui arrivent quand même, rarement, mais ça arrive. Mais généralement, je m'en fous, parce que ça arrive genre sur l'épisode 2, 3, 8, on s'en moque. Là, c'est arrivé sur l'épisode final. Enfin, pas final, parce que j'en prévois un après. Mais ouais, j'étais complètement dégoûté, hein. Ah, j'étais complètement dégoûté. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je peux vous montrer l'intégralité de mon gameplay, ou en tout cas au moins la partie où j'ai battu Bowser, parce que je l'ai battu, hein, plus facilement, donc plus rapidement que le dragon des ruines. D'ailleurs, j'ai vérifié, ça m'a pas mis 1h44, mais 1h22, donc vraiment, le dragon des ruines, c'était 2h30, là, c'était 1h22, donc ça va, pour moi, il est plus facile, hein, il est vraiment plus facile, c'est juste qu'au départ, faut comprendre, mais il est plus facile. Le problème, c'est que si je vous mets ça, bah déjà, premièrement, vous allez peut-être dire que c'est pas moi qui joue, parce que vous n'aurez pas la preuve, mais aussi, bah, je trouve que, finalement, j'ai un peu confiance en moi, j'y suis arrivé. Et je pense que je peux le refaire. Donc les amis, c'est reparti, je vais essayer de rebattre Bowser pour vos beaux yeux en vidéo. Sachant que c'est super dommage, parce que en fait il y avait des moments super drôles. Genre il y a vraiment, le boss il est barré, hein. Genre dès le début il y a des trucs ultra chelous, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est bien dommage. Ça restera toujours un mystère, mes réactions sur le jeu. Alors, par contre... Pour réussir le jeu, il y a un truc qui est obligatoire pour réussir le boss de fin, c'est d'être en mode duo. On peut pas y arriver autrement qu'en étant en mode duo. C'est vraiment littéralement impossible, parce qu'au début du combat, attendez, faut que je me rappelle les touches. Au début du combat, il y a des trucs impossibles qui se passent. Genre, ok, là, bon, j'ai mes touches comme il faut. Ok, bon, je vais aller au boss, là. Et je prends, ici, le petit triple cœur. Donc en fait, je sais pas si c'était dans les parties que j'ai enregistrées ou pas, mais il faut bien supprimer la lune, enfin la lave sur la lune, faut supprimer les fichiers, sinon ça crache. Il y a un fichier en particulier qui fait cracher, c'est un peu dommage. Voilà, et donc là, il y a la lave à nouveau. Et alors les amis, vous allez halluciner. Et combien, dites dans les commentaires, en combien d'essais je vais y arriver? Moi je vous ai dit, hein, j'y suis arrivé en 1h22, j'ai pas compté les essais, mais il y en avait beaucoup. Mais là, aujourd'hui, deux jours après, quand je pense que c'est pas si difficile que ça... Enfin, que je sais faire, vous pensez que je vais mettre combien d'essais? Dites dans les commentaires, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100! 100, j'avais fait en moins de la dernière fois, donc bon. Alors, le problème, c'est que dès le début du combat, il faut être en mode deux joueurs, sinon on perd nos 3 points de vie. Genre, on apparaît au milieu de la lave et très loin des plateformes de sauvetage. Donc, si on n'a pas le mode deux joueurs, on est obligé de perdre. Mais vraiment obligé, quoi, il n'y a aucun moyen. Ça, voilà, tu ne peux pas y survivre. Si tu n'as pas le mode de joueur. Enfin si, si t'as 6 coeurs tu peux, mais bon genre en vrai tu peux, mais c'est débile quoi. Surtout que pour le reste du combat, le mode de joueur est quand même essentiel. Vous allez voir. Enfin même pour la fin du combat en fait. Genre. Ok, allez allez. Non 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 non. Et bah voilà, ça commence bien. Bon ça va, c'est rien de si terrible que ça. Mais un peu dommage tout de même. Vas-y. Ok. Très bien. Okay, faut faire un petit bond parce que sinon... Ok, si jamais il se barre, j'ai perdu. Hein. Je peux recommencer le combat. Ok. Donc ouais, ce qui est dommage, c'est que Capi, quand on l'envoie comme ça, genre, il reste, il longe le sol au lieu de s'envoler. Et ça, je... genre, ça m'a tué plus d'une fois. Oh non, mince. Ok. Nickel, c'est bon, c'est fini. Merci, Bowser. Alors là, il va m'envoyer de quoi regagner des vies. Et c'est bien parce que si j'ai pas deux vies... Au moins 2 points de vie à la fin du combat, c'est mort. Hein. On peut pas y arriver. Mais vraiment, je rigole pas. Parce qu'on réapparaît encore une fois au milieu de la lave. Donc il faut 2 points de vie à la fin. Sinon, c'est mort. Mais en vrai, pour moi, c'est plus facile que le dragon. Hein. Après, je sais pas. Si je refaisais le dragon, peut-être que j'y arriverais aussi bien. Je ne sais pas. Vas-y. Très bien. Est-ce que je vais y arriver même sans perdre de vie? Bah non, de toute façon, on est obligé de perdre de la vie à la fin, comme je vous ai dit. Donc, ok. Faut pas s'approcher trop parce que sinon il récupère le chapeau en fait. C'est pour ça que je reste un peu en bas de la plateforme. Vas-y. Nickel, 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 nickel. Et les amis, si je le one shot vraiment, mais laissez des pouces bleus, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, j'avais oublié. Mince, j'avais complètement oublié ça, c'était complètement débile. Pourquoi il arrête? Mais normalement il arrête pas, mais pourquoi il a arrêté? On dirait il recommence son mouvement. Genre en mode ça va, pourquoi tu le recommences? Ok, j'ai pas compris, vous pouvez le recommencer. Non, parce que normalement il fait deux fois le tour, mais là il a recommencé, j'ai pas saisi. Allez, let's go! Vas-y. Ah mince!
Bon, je l'aurais bavé sans perdre de vie. C'est dommage. En fait, j'aurais dû plutôt l'envoyer avec Capi parce qu'il y a, on peut le laisser en mode stationnaire. Enfin non, j'ai envoyé Capi, mais je voulais dire en mode deux joueurs. Parce que tu peux le laisser en mode stationnaire et ça, c'est quand même bah, plutôt pratique. Alors là, c'est là que le combat devient grave aléatoire. Parce qu'en fait, bah, c'est pas difficile. C'est juste qu'il faut que le chapeau vienne au bon endroit, en fait. Ça a failli m'arriver du premier coup, j'ai eu peur. Parce que sinon, bah, on tourne en rond, en fait. Voilà. Tant que son... Bah voilà, il est pas du tout bien placé. Tant que son chapeau n'est pas suffisamment bien placé, moi, je peux rien faire, en fait. Parce qu'il faut qu'il soit en face de moi. Donc, trop nul. Vas-y, Bowser. Ah oui, il faut que je tape Bowser avec Capi. Parce que Capi dit, ça ne marche pas. Genre, mais on est déjà au courant, c'est la troisième fois qu'on le combat comme ça. Donc, genre, je veux dire, tu nous apprends rien, Capi, regardez. Vas-y. Ça ne marche pas. Mais bien sûr que ça marche pas, on le savait déjà. Alors, ok. Là, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Non. Vous voyez, c'est clairement du random. Ça, c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, ça rend le combat long. Pour pas grand-chose, genre... En vrai, si j'étais un speedrunner, je pense que j'aurais la rage, là. Après, il y a peut-être moyen de le rattraper quand il part sur le côté, mais... C'est pas évident, quoi. Après, genre, ça va mal le placer. Et genre, c'est le meilleur moyen de tomber dans le vide, en fait. Et comme je suis bien, parti, quand même, c'est... Ce serait plutôt bien d'éviter ça. Vas-y, vas-y. Yes! Parfait. Ok, ok, nickel. Vas-y, 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 vas-y. Ok, ok, et ok. Et let's go. Maintenant tu tombes. First try. Ne vendons pas la peau du Bowser avant de l'avoir tué. Parce qu'à la fin de la cinématique... Non, quoi, quoi, quoi. J'ai failli perdre 2 points de vie. Normalement ça se passe pas comme ça, normalement j'en perds qu'un, mais bon. Et bien voilà les amis. Et là, c'est là que j'ai très peur. Ah oui, en plus on perd un autre point de vie ici. J'ai déjà perdu là, à cet instant en fait. Genre j'ai perdu un autre point de vie ici, alors qu'il m'en restait qu'un. Et genre le jeu il part en écran noir et c'est terminé. Donc là c'est là que je suis un peu stressé parce qu'en vrai j'ai pas vu de sauvegarde. Et donc je ne suis pas mort quand je l'ai fait la dernière fois. Donc bah l'autre fois. Sauf que bah j'ai peur que si jamais tu bah normalement on meurt pas hein. Mais genre un truc débile pourrait toujours arriver. Mais j'ai peur que si jamais je meurs, je doive tout recommencer du début. Donc on va faire un petit peu gaffe, hein. On y va tranquille. Mais quand même, je suis super content d'avoir fait cette série sur Super Mario Odyssey, le sol c'est de la lave. Parce que je me suis grave amélioré. Là déjà, le fait d'avoir battu Bowser Final en un coup, je suis assez choqué. Mais en vrai, il est facile le Bowser Final, hein. C'est juste qu'il faut comprendre. Genre, au début j'ai passé extrêmement longtemps parce que je comprenais pas, j'étais là en mode mais ouais, mais dès que j'arrive sur le terrain, je meurs. Puis en plus, si tu chopes le chapeau immédiatement, t'es là en mode ouais. Je chopais le chapeau et j'arrive pas à aller sur les autres plateformes, elles sont trop loin et tout. Genre c'est ça qui est chaud en fait. Mais sinon non, il est facile, hein. Il est facile. C'est pas le boss le plus facile peut-être. Bah quoi que, en vrai, Ariette elle était plus dure. Le dragon des ruines il est plus dur je trouve. C'est vraiment un boss casse-tête parce que le problème c'est trouver ce qu'il faut faire. Mais quand tu trouves c'est bon, c'est aise. On le aise le Bowser. Alors là ne faisons pas n'importe quoi. Très bien, je ne veux pas tomber dans le vide par inattention. Ce serait débile. Voilà, ok, nickel. Allez, allez. Mais non, je pas tiré au bon endroit. J'essaye de gagner du temps, mais ça marche pas. Vas-y, 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 c'est la salle finale là. Non, pas encore. Ok. Vas-y, vas-y, Bowser, 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 Bowser. Yes, on y est, on y est. Je tape pas ça. Ah, j'ai eu peur, je voulais pas prendre un point de dégâts maintenant. Et voilà, avec la musique, un peu Osef en vrai, genre on l'a un peu tous oublié. Est-ce que je vise bien? Non, sûrement pas. Ah si. Bon, j'en ai eu 2 d'avance. Ah bah je l'ai détruit d'avance, je suis fier de moi. Non, j'oublie les petits cailloux là. Là on n'est pas assez haut je crois. Ouais, c'est dommage. Mince! Ah mais on a regagné 6 vies, bah c'est bon, ça va. Ah mais je saute trop là, faut pas sauter. Oh merci. Quoi, ça donne des cœurs? Je suis même pas au courant. Je suis là en mode je découvre. I am discovering Mario Odyssey. Allez, allez. Oh, Bowser il sautait comme Mario. Genre il faisait la même pose avec ses mains. Bon ça va en fait, c'est simple, il redonne des cœurs, je savais même pas. Allez c'est bon, maintenant on connaît.
Je sais, je rejoins le centre là. Vas-y, maintenant le bloc. Le bloc lunaire. Et let's go! C'est bon, maintenant on peut aller là-dedans. On aurait pu abandonner Bowser, hein. Moi j'aurais été Mario, j'aurais clairement abandonné Bowser. Pou pou pou, c'est bon les amis, on y est. Qui d'entre vous avait dit dans les commentaires que j'arriverais à battre le boss de fin en first try? Je sais pas, si vous avez cru en moi, merci. Les amis, vraiment je suis super content d'avoir fait cette série et ça m'a vraiment donné envie de speedrun Mario Odyssey. Attendez, d'ailleurs, General Mass avait dit qu'il m'aiderait à speedrun Mario Odyssey, donc... S'il a dit que c'était pas si difficile, il a dit que c'était pas si difficile et qu'en plus c'était fun. Donc je lui ai envoyé un message tout de suite là, je me connecte à TikTok, je vais voir. General Mass, coach-moi sur Mario Odyssey speedrun, j'ai écrit en majuscule, histoire qu'ils le savent, qu'ils le loupent pas le message. Et voilà. Très bien. Et bien les amis, maintenant vous verrez peut-être sur Twitch, donc sur ma chaîne Twitch, Kirbendo, peut-être que je vais commencer d'ici quelques semaines à speedrun Mario Odyssey. Faut voir quand est-ce qu'on s'y met, parce que General Mass, genre, il travaille en ce moment, il travaille avec des horaires de soir, donc il peut pas me coacher tout le temps en fait, donc à voir. Bref les amis, dans tous les cas, nous je pense qu'on va en rester là. C'est pas le dernier épisode, parce qu'après on va faire un épisode sur le monde final. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, les amis, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus sur cette vidéo. Merci à tous de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Le plus difficile est passé, hein, ça m'étonnerait que le prochain monde soit si complexe. Merci à tous, hein. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Super Mario Odyssey. Et après, de nouvelles séries, à voir. Salut! Gonna start.